Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Préparons! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde! La tâche suivante consistera à planter du dictam à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'en... Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Elle m'a bien plu. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardon étoilé? Avec des roses ou des caprices? Les propriétés régénérantes du dictam de rempotage en jouent un ingrédient dictam, indispensable de la potion Wing. Une plante médicinale dont les feuilles sont cuisines. Du professeur Char. B. Dictam. Une plante médicinale dont les feuilles sont utilisées pour préparer la potion. Beau travail! Une fois récolté, votre dictam pourra être utilisé dans une potion Wiganweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues.
Salut. Tu es allé à Préaulard l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh! Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hecate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Typique des Serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat. Nous y sommes, le royaume du chou mordeur de Chi. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Maintenez gâchette haute gauche pour ouvrir la roue des... 8... 0... Potion... Levioso. Action. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces gentils klaxonnants. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais... imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait... D'accord, c'est déjà... J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls à Préaulard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Zéro. Sept. Réveillon. Les graines mettent du temps à pousser. Vous devrez revenir plus tard à votre table de rempotage dans la salle de botanique pour récolter vos plantes. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Moi aussi. Les plantes... Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes deux tympans. K. Flamme de cheminette. Le grand escalier. Le magnifique escalier. Carte du mont, les Iglans. Car, région sud de Poudlard. Campolard en bas. Les Iglans. Vallée, région sud de Poudlard. Niveau de l'ennemi. La fille du Agadou. La fille Y. Ouvrir le journal des quêtes. Enceinte de Poudlard. Le terrain qui entoure le château. Réveillon.
Revelio. Revelio. Balai brisé. Pas. Des récompenses. Les sorts de force et de contrôle permettent de vous débarrasser. Recherchez les flammes de cheminette pour débloquer des emplacements de déplacement rapide permanent et réduire le temps nécessaire pour accéder à de nouvelles activités et à de. Revelio. Revelio. Incendio. Revelio. Je devrais regarder ça de plus près. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que j'ai trouvé. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-au-loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange, d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar ? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça, oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est
C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là à Préolar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Arlo, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Tant mieux. Rockwood et Arlo sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Qu'est-ce que vous mijotez ? Pardon ? Révélio ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Maman, Archie, je n'ai pas le temps d'en discuter. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas t'éloigner de la maison. Surtout quand je suis à l'intérieur. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock. Ça suffit. Je suis trop fatiguée pour écouter tes histoires. Tu restes là où je peux te voir. Bon, et si tu me faisais quelques dessins, hein ? Oui, maman. Révélio. 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 Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève ? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfait ! Jamais. Levioso. Incendio. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la... Et on ne part avec vous. Je vais passer sur le port avant de toucher, hein ?
centre. Quelqu'un qui est jeune. Rockwood devra venir me chercher en personne. Arrête! Tu peux fixe. À genoux. Revelio. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vos recherches. C'est intéressant. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. C'est extraordinaire. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. C'est fascinant. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers, là. Revelio. Ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Revelio. Réparo. Revelio. Et les bûchers sont destinés à être enflammés.
Incendio. Les flammes font sombrer le bûcher. C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Incendio. Revelio. C'est évident. Incendio. Les bûchers semblent s'écouler. Revelio. Incendio. Par la base de Merlin, c'est magnifique. Quelle journée. Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Revelio. J'ai ce qu'il me faut. Je pars retrouver mes notes et mes livres. Les différents défis permettent d'obtenir différentes récompenses. Terminez les défis d'épreuve de MZLE/ pour augmenter la capacité de votre inventaire. Je n'aurais jamais pensé que les filles... Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de... K. Les Eaglands. Région Vallée. Ouest de la Vallée de Poudlard. Vallée de Poudlard. Lumo, utilitaire, descendo,
Désillusion. Utilitaire. Y. Assigné en haut. Réveillon. Caille de noir des Hébrides. La roue des outils gâchette haute gauche est particulièrement utile face aux ennemis de haut niveau. Les plantes et potions de combat peuvent vous donner un avantage face aux ennemis puissants. Derrière les ruines, je suis sur la bonne voie. Un campement. C'est sûrement ici. Une fois que je... Combien êtes-vous ? Faire le guet, c'est vraiment une perte de temps. J'avais une petite altercation. Protego. Action. Leviosa. C'est bien roulant. Leviosa. Incendio. Leviosa. Leviosa, protégo. Tu t'en tireras pas comme ça. Leviosa. Eh bien, petit volant. Assez rapide. Je ne pas avant d'avoir tué. Voyons quel tour. Leviosa. Leviosa.
Revelio. Levioso. Revelio. 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 Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Revelio.
Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Si vous êtes ici pour... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrok n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. C'était difficile. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle bonne idée. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo.
Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs... Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Tu as bien entendu. C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett, d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je peux te ramener cette plume. Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Revelio. Attention, votre table de potions. Morando. N'oubliez pas, la précision est essentielle pour la préparation des potions. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Doit-on hacher le poste de potion? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous. Potion Vigenweld. Soigne et restaure un peu la santé de la personne qui la boit. Temps de préparation. 15S. Rendement. Une bouteille. B. Potion Vigenweld. Vide. B. Retour. Potion. Potion Vigenweld. Potion de concentration. Potion du russe. Potion du russe. Une potion qui augmente la défense de celui qui la boit en le recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. Temps de préparation. Les alinées 30. Rendement. Une bouteille. B. Retour. Potion du russe. Vide. B. Retour. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? Le professeur Sharp a dit... C'est pas censé... Garrett! J'ai été impressionné quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Weekend Moon. Oh! Tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Amit, ravi de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiganweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo! C'était un soulagement. Je suis ravi d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes des potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en gobel babil. Un langage fascinant, d'ailleurs. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul.
par Merlin. Le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre, Portail vers les étoiles lointaines, avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligente. À bientôt. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Revelio. Je pense que nous avons eu assez d'aide. Banque d'aurore du professeur. Le cours est terminé. Je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de... Quête. Tout. Le dernier espoir. A. Niveau. Inventaire. Bonjour, jeune serpentard. Scrope sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrope peut vous aider. Et vous? Vous pouvez aider Scrope. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. Niveau 9. Carte. Flamme de chemin. Le. Sortie. Le dernier. Y. Le grand escalier. Le dernier espoir de Scrope. L sud. Sortie sud de Pout. Le verrouillage stick analogique. Utilisez Revelio BMD gauche pour afficher en surbrillance les. Veillez à garder un sort de force, un de contrôle et un de dégâts dans votre ensemble de sorts afin de vous préparer à tous les scénarios de. Scrope sait tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque... Scrope ? Qui est Scrope ? Revelio. 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 Action. Vous y êtes presque. Des citrouilles ? Ah, je crois que je sais où aller.
Revelio. De garde. Revelio. Notre jeune serpentard doit brûler d'impatience à... Au bord de l'eau. J'espère que c'est pas une farce. Revelio. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Bien sûr. Avec plaisir. Surtout si ça me permet d'en savoir plus sur le livre. Scrop vous remercie. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Je vais y aller. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance! Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Revelio. Protego. Appuyez sur stick analogique gauche pour nager plus vite. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là.